Je vous embarque avec moi comme d'habitude. Je crois que l'intro de ce vlog a été assez longue, non? Toute la préparation et tout, je ne sais pas. Dites-moi si vous aimez bien les intros. On voit un peu des plans de coupe, tout ça, des bruits du quotidien. Ou alors si vous aimez mieux qu'on commence direct en mode bonjour à tous. Voilà, moi j'aime bien quand il y a des plans de coupe, donc c'est pour ça que j'en fais. Programme aujourd'hui, séance jambes, c'est fait. Finir mon montage pour la vidéo qui sort mercredi. Ça me semble très juste parce que ça va pas forcément être ma priorité alors que l'habillage n'est pas commencé et que la vidéo fait 26 minutes, très exactement en dérush. Donc, je ne sais pas. Filmer deux recettes pour une cliente. Donc, il faut que j'aille faire les courses pour filmer ces deux recettes-là. Parce que là, je pars une semaine. Je pars en gros chez ma tante à Bordeaux pour fêter son anniversaire. Je rentre chez ma mère dans la foulée. Je reste un peu chez ma mère parce que j'ai un examen médical à faire là-haut chez ma mère. Et dans la foulée, après l'examen médical, je rentre parce que j'ai une soirée le 9. J'ai la crémaillère de Zafira le 9. Voilà, je veux être là le 9. En tout cas, quoi qu'il, il est 11h30, j'ai trop faim. Je vais me faire à manger, comme ça ce sera fait. Je poste 2-3 stories que j'ai fait ce matin, que j'ai envie de mettre sur Insta, parce que là je suis contente en fait. Depuis une semaine, j'essaye d'être un peu plus active en story. Je vois que vous êtes un peu réceptifs, du coup c'est trop chouette. J'ai l'impression de reprendre un peu mes réflexes d'avant. J'avais pas eu le temps de vous présenter Wild, avec qui je collabore sur cette vidéo. Pour ceux et celles qui ne sauraient pas, même si je vous en ai déjà parlé, personnellement ça fait 7 mois que j'utilise leur déodorant dont je suis extrêmement fan. Le premier étui que j'ai reçu il y a 7 mois, il a bien vécu, je l'embarque partout dans toutes mes vadrouilles. Vous allez retrouver différents produits sur le site de Wild, dont par exemple des gels douche ou des déodorants comme moi j'ai déjà testé. Le principe est très simple, vous avez des étuis et des contenants réutilisables. Vous l'achetez une seule fois, sauf si vous voulez changer la couleur ou changer la gravure, ce qui est possible. Dans ce cas là faudra le racheter, mais c'est pas vraiment le but. L'idée c'est d'utiliser le même indéfiniment. Tout ce que vous recevez par contre c'est les recharges de déodorants, qui sont elles-mêmes compostables parce qu'elles sont en bambou. Dès que vous avez fini une recharge, vous avez juste à changer et à en mettre une autre. C'est super simple et ça tient super longtemps. Pour vous dire, moi ça fait 7 mois que j'utilise Wild et j'en suis seule à la fin de ma deuxième recharge. Vous avez différentes odeurs sur le site. C'est une marque qui est clean pour l'environnement mais également pour votre corps, parce que c'est fait à partir d'ingrédients d'origine naturelle, sans sulfate, sans parabènes, sans sel d'aluminium, vegan, cruelty free, hyper clean. Et en plus de ça, moi ce que j'adore personnellement c'est que ça va venir hydrater, parce que c'est enrichi en huile de coco et en beurre de karité. Donc vous avez vraiment cette sensation d'appliquer quelque chose de très doux, de très crémeux sur votre aisselle, et la sensation est juste incroyable. J'ai reçu un nouvel étui, comme vous pouvez le voir, moi j'en ai déjà un, donc ça sert strictement à rien que je le garde. Donc je vais l'offrir à ma maman qui voulait commander sur le site, mais j'arrêtais pas de lui dire qu'elle attende que j'ai une nouvelle offre à lui proposer. Mais vu que j'ai reçu un nouvel étui, je vais le donner directement. Bien évidemment moi je peux pas vous l'offrir, donc je vous propose l'offre Wild du 20, qui vous offre moins 20% sur le site. Et à savoir d'ailleurs, à chaque achat Wild sur le site, c'est un arbre de planter. Que dire de plus, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Je vous mets le lien du site en barre d'infos. Et aussi, dernière information importante, une recharge, ça va être 30 grammes de plastique d'économiser. Vous avez juste à appuyer et vous changez votre recharge. D'ailleurs, j'ai bientôt fini celle-ci en vrai. Non, ça va. Ça dure tellement longtemps dans le temps, c'est un gain de temps, d'énergie. Et c'est hyper économique. Voilà, n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Et moi, je vous laisse avec la suite du vlog. On va pas te revoir dans la vidéo, donc tu fais un bisou. Bisous, San. Commence très bien la journée, je viens littéralement de vider le pot de sel dans la casserole, c'est-à-dire qu'il me tombe des mains quoi. Voilà. Bon, je pense que vous avez l'habitude de mes plats qui sont pas très sexy. Le midi, de toute façon, je vous ai dit, hein, c'est vraiment le rush. Il est midi 40, on perd pas de temps, je me mets directement à mon montage. À 14h, je bouge faire les courses. Comme ça, à 14h30, je filme les recettes. Je peux les mettre au congèle et tout, parce qu'il y en a une. Le résultat, c'est genre après 3 heures de congélation. Donc, si je veux filmer le résultat, voilà. Puis là, je m'attaque à mon montage à moi de la vidéo de la semaine dernière. Si je vous l'ai pas vu, je vous la mets dans le petit i. Et puis voilà, j'accompagne ce doux moment d'un verre de Coca-Cola. Chérie, zéro. La base. Let's go, my dear. 3, 2, 1. Musique. Baby.
bip, il est 14h, changement de programme. J'avais complètement zappé, mais je devais enregistrer un podcast que je veux filmer pour après pouvoir communiquer dessus sur les réseaux sociaux. So, c'est pour ça que je me suis maquillée à la base, en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je me pose, j'enregistre le podcast. Je vous montre pas les backstage, vu que je vais utiliser cette caméra. Je vais blablater pendant une heure, je pense. Après, en fonction, selon la lumière du jour. Dans tous les cas, je ferai les courses et à la limite, je ferai les recettes demain. On verra en fonction, mais dans tous les cas, là, je me focus. Podcast, le reste n'existe pas. Dans le meilleur des cas, j'aimerais bien en enregistrer un aujourd'hui, un demain. Fin de semaine, je vais pouvoir en enregistrer un avec Nato, vu qu'on va se retrouver en famille, là, comme je vous ai dit, chez ma tante. Parce que là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ça doit faire un bon 10 jours qu'on n'est plus ensemble. Bref, c'est pour ça que là, j'aimerais bien prendre un peu d'avance sur le podcast pour pouvoir vous en poser toutes les semaines. Et j'avais zappé que c'était sur ma to-do list. J'ai bien avancé en vrai sur mon habillage. Il y a moyen que je termine l'habillage aujourd'hui. Je sais pas si je vais pouvoir tout faire. Mais ça va, je suis dans une bonne énergie, donc j'en profite. C'est pas comme la semaine dernière. Comme d'hab, starter pack de podcasteuse, un lit, un micro, un collagène, un ordinateur. J'ai terminé d'enregistrer mon podcast, c'était trop bien. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que là je vais prendre un café? C'est une mauvaise idée je crois, parce que je suis surexcitée aujourd'hui. Ouais, je sais pas, hein. Ou un matcha. Je vais prendre un café. Petite pause café, après je décale, je vais aller, je pense, à un Intermarché. Yeah, yeah. Je reviens des courses, il est 16h37, très exactement. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire que je suis en train de vivre exactement le même lundi que la semaine dernière que je vous ai vlogué. Non, 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 il y a plein de choses qui changent. Je fais un petit haul très rapidement. Des paumes, la cannelle, c'est la première fois que j'achète de la cannelle. Pourquoi j'en ai pas acheté avant, j'adore ça. Je l'ai changé, j'ai pris de l'huile de noix au lieu de l'huile d'olive que je n'avais plus. Mais j'adore ça, de temps en temps, enfin même tous les jours, papa, mais j'adore. Chocolat. Ça me rappelle que j'ai marché dans une crotte de chien en sortant de chez moi, j'ai dû revenir nettoyer ma chaussure. Mais c'était du pied gauche. Des compotes de pommes. Pour la petite anecdote, je suis tombée sur une recette TikTok hier avec des compotes de pommes. Et du coup, je vais la remixer en version healthy slash protéinée. On va bien voir ce que ça donne. Et c'est ce que je vais filmer là. Mais le truc, c'est que là, la luminosité est en train de décliner. Je vous fais un petit backstage, je vous cale dans la cuisine. Zaf nous a proposé sur le groupe qu'on aille se prendre un goûter vers 17h. Ça va être très compliqué. J'aurais bien aimé, mais là, j'ai vraiment trop taf. Backstage. C'est bazar, mais on voit là sur la vidéo, c'est ce qui compte. Elle est incroyable cette compote. Action, réaction. Ça n'a pas l'air très droit. Hein. Ensuite, on met des protéines en poudre. Celle qui se marie le mieux pour les recettes, c'est celle de chez Zinc. Y'a pas de lumière sur mon plan. On a une belle patoune. Eh, vous savez pas, hein. Mais là, je suis en train de faire des petits roulés à la cannelle protéinée. Incroyable. Bon, c'est un miracle que j'ai réussi à allumer ma caméra. Ma boule, elle est un peu trop collante là. Je filmais le vlog, le truc, en même temps réussir une recette. Et après, on ose nous dire que c'est pas un métier alors qu'on met toute notre énergie. On va être crevé là. Vous allez voir que le résultat va être incroyable et que la vidéo va être très clean. Et ça ne va pas du tout montrer une once de galère. La vérité de la vie, c'est que je fais de la pâte comme ça, c'est toujours galère. T'es mignonne, Julia, mais comment tu fais pour fermer ta vidéo là? Ok, c'est chaotique ce vlog, on est d'accord. J'ai réussi à avoir une boule qui ne colle pas aux mains. Il est 17h30, les roulés sont au four. J'enchaîne avec la deuxième recette. Et normalement, dans 30 minutes, tout sera good. Et on pourra bouger de la cuisine. Let's go. Ah ! Les gars, je suis choquée. Ça vient de sortir du four. Ça a cuit hyper rapidement, je m'y attendais pas. C'est absolument magnifique. Là, je vais faire un petit dressage avec pâte à tartiner. J'ai goûté un bout chaud, c'est juste incroyablement bon. Pas de sucre ajouté et protéiné. Je suis choquée et j'ai même pas doré avec du beurre ou un jaune d'œuf. Donc franchement, niveau macro, c'est plutôt clean. Je suis en train de m'exploser le bide sur les roulés à la cannelle là. Il est 18h. C'est pas du tout stratégique. Du coup, je vous mets la recette. Là, le Reels que j'ai monté, je vous le mets à l'écran. Et j'ai mis de la pâte à tartiner au milieu. Bon, je me dépêche de terminer l'autre recette parce que là il va vraiment faire nuit.
Ok mes stars, update, il est 18h30, je me remets au boulot, là je vais juste me mettre dans mon salon, dans mon canapé. Ça veut dire que c'est une fin de journée quand je me mets pas à mon bureau, c'est que je commence un peu à fatiguer du dos et tout, et que j'ai envie de travailler confortablement, mais généralement j'évite de le faire dans la journée ou dès le matin parce que juste sinon après j'ai plus envie de bouger mon canapé et ça me met pas dans une énergie de travail. Le but c'est de faire peut-être 1h30 de montage. À la base je voulais commencer à lire à 18h, c'est-à-dire il y a 30 minutes. Selon mes calculs, pour terminer mon T3, parce qu'il me reste 100 pages de TH, les calculs sont pas bons. Ce soir, je veux absolument regarder à travers ma fenêtre 3. Oui, alors oui, je suis une meuf full romance. Quand je lis pas de la romance, je regarde de la romance. C'est très grave, mais j'aime trop. Voilà, je n'ai pas à me justifier, c'est incroyable. C'est horrible, mais je crois vraiment que les deux vlogs se ressemblent à mort, parce que la semaine dernière, j'ai regardé à contresens. Là, je regarde à travers ma fenêtre. Vous allez me prendre pour une grosse folle. Mais quand je suis toute seule, en fait, ça m'arrive tellement rarement d'être toute seule que je me fais ces petits plaisirs coupables là de regarder mes films de teenager sans que personne me fasse chier, genre dans mon canapé avec ma télé. D'ailleurs, je risque d'ouvrir mon canapé en lit, comme ça je pourrais m'étaler. Bref, c'est pas du tout le sujet du moment là, Julien. En fait, tu fasses ton montage en fait, les gars. Regardez à nous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Vous savez ce que ce son veut dire? Ça veut dire que je viens de terminer mon habillage. Ah, j'aurais plus qu'à monter l'intro demain, plus la vérif. On peut dire que j'ai terminé mon montage. Je suis un peu fatiguée, même si on dirait pas, parce que je suis surexcitée aujourd'hui. Je ne sais pas comment c'est possible, honnêtement, mais c'est bon. Il est 20h10. Alors, mon fond d'écran. C'était en Paris avec Colin, d'accord? Quoi qu'il, je dois laisser ce fond d'écran pendant un mois. Je sais pas. Bon, en vérité, c'est parce qu'il y a de l'argent à la clé. Bref, ce que je vais faire là, c'est que je vais me mettre en pige. Je voulais me motiver à faire une recette HelloFresh. Mais vu l'heure, ça dépend. Je vais regarder s'il y a des recettes qui se font rapidement. Bon, on dirait pas, mais... J'ai ouvert mon canapé, j'ai découvert une nouvelle dinguerie. Non mais tous les jours je découvre un truc dans cet appart. Tellement hâte de me barrer. J'ai eu trop la flemme de faire dans cet HelloFresh. Toutes les recettes elles prenaient au moins 30 minutes. Fallait couper je sais pas combien de légumes. Un peu... la honte. En vrai, en ce moment, j'ai grave une technique. Bon, ça, c'est des épinards à la crème surgelée. De base, vraiment, je ne mange jamais ce truc-là. C'est Anastasia. Il va falloir que je rachète tellement de trucs à Anastasia parce que j'ai vidé. J'ai tout vidé. Et là, je me suis fait un wrap omelette. C'est mon truc du moment. En gros, si vous avez des wraps, vous savez pas quoi en faire, vous savez pas quoi mettre dedans et vous avez rien à mettre dedans dans votre frigo, faites cuire un wrap dans une omelette. Et après, ça fait une sorte de d'omelette au wrap ou de wrap à l'omelette, je sais pas. Mais c'est trop bon, j'adore. Je vous laisse. C'est froid. Je vais me mettre à chauffer. Faut que je reparle de à contresens que j'ai regardé la semaine dernière. J'ai adoré. C'est-à-dire qu'au début, bon, ça faisait vraiment cucu. Enfin, pas cucu, mais genre, tu vois que c'est teenage. Mais c'est le meilleur film de romance que j'ai vu jusqu'à maintenant. Et du coup, ça m'a trop donné envie d'acheter les... C'est chiant d'être interrompu comme ça par une télévision. Ça m'a trop donné envie d'acheter... Ouais, je me suis pas encore démaquillée. Coca-Lan, encore une fois. Je me démaquillerai après, devant le film. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais le 3 n'est pas du tout sorti, en fait. Ah si. Ça, je me souviens plus trop du 2. Hein. Et bref, tout ça pour vous dire que... On va y arriver ou pas? Quand je vais terminer ma palle et quand j'aurai déménagé, parce que je vais pas racheter de livre avant d'avoir déménagé, je vais lire les à contresens avant de regarder les prochains en film, parce que je pense que là, vu que j'ai kiffé le film, autant vous dire que les livres, ça doit être une pure dinguerie. En plus, il y a 5 tomes, mais en fait, c'est des parties de tomes, quoi. Je crois que c'est pas tout compris. Bref. Je fais pas des trucs de fou dans ma matinée, mais vous m'avez... de Twisted Love, franchement, ça... Hello mes stars, on est mardi, c'est le lendemain, il est 10h23. Ce matin j'ai terminé le montage, j'ai fait l'intro, j'ai vérifié, etc. J'ai répondu à quelques WhatsApp, j'ai pris mon petit déj, j'ai pris le temps de me poser et prendre mon petit déj sur de YouTube. Là je m'en vais, petite séance, non pas petite séance, séance tout court, pec, épaule, triceps, j'aime trop. Aujourd'hui je voulais pas vlogger parce que je veux rester grave focus sur tout le taf que j'ai à faire sans me dire qu'il faut que je prenne la caméra, etc. Mais écoutez, c'est plus fort que moi. C'est un nouveau haut que j'ai reçu de MyProt avec le nouveau logo. Il est trop beau, je l'aime beaucoup. Il fit trop bien, je sais pas ce que vous appréciez. Le dos là, tac. J'y vais, je fais ma séance, je reviens et cet après-midi c'est full, full, full deep work. Je vais essayer de pas être déconcentrée par mon téléphone, par le vlog ou par autre chose. Faut vraiment que je mette dans un flow de concentration.
Je suis rentrée du sport, il est 12h30, je vais pas prendre ma douche maintenant. J'ai mis ma polaire sur mon t-shirt sale, mais écoutez, il fait froid chez moi. Je vais pas prendre ma douche maintenant parce qu'en fait j'attends un colis qui est censé arriver là dans les 30 prochaines minutes et j'ai pas du tout envie de le louper. Je sais pas si vous avez vu le dernier vlog, mais ma soeur avait reçu sa box Hello Fresh alors qu'elle n'est pas là. Et là c'est vraiment en train de se perdre, donc ce midi je prends le temps de faire une reset. Mais là je suis en train de regarder le truc, franchement ça me prend la tête. Vous savez quand vous êtes fatigué et tout, la sauce c'était trop bien. Mais quand vous avez envie de pas passer des heures en cuisine, vous lisez la recette, vous avez l'impression que le truc c'est un casse-tête chinois alors qu'en fait c'est très simple, mais juste vous vous montez la tête tout seul. J'ai dit que j'allais faire des nouilles sautées au curry noix de coco ce midi. Dites-vous, ils ont même donné le beurre de cacahuète là-dedans. Je pense que je vais pas l'utiliser parce que j'en mange déjà suffisamment. En gros, tout ça pour vous dire que je vais remixer un peu la recette. Je sais. Vous pouvez plus voir cette polaire, moi non plus je peux plus me la voir. Je vous promets que dans les prochaines vidéos je l'aurai plus. Ça se voit que je suis fatiguée là. Mais j'ai fait du cardio en plus de ma séance, c'était pas prévu mais je me suis chauffée. Là je suis un peu... Regardez la taille des champignons. Désolée pour ceux que ça dégoûte, moi j'adore. En attendant, je termine de filmer le Reels d'hier sur cette recette là. Les petites pommes slash pommes beignets enrobées de chocolat. La recette est franchement pas mal. Je crois que je m'étais un peu loupée sur le chocolat. Là, mes pommes sont congelées. Regardez, il y a de la fumée. Donc, je vais les mettre au frigo, ce sera mieux. C'est bientôt prêt. Je crois que j'ai à peu près respecté la recette, mais grossièrement. C'est pas du tout censé ressembler à ça. Normalement, c'est genre crémeux, mais j'ai pas mis la crème. Normalement, il y a des œufs, il y a des herbes et tout. En fait, genre là, vraiment, j'ai juste cuit tous les légumes avec les nouilles et j'ai rajouté de la sauce sur la salée. Pour les protéines, je prendrai un yaourt ou un grand verre de collagène. Je mangerai mieux ce soir, mais là, faut que je me bouge. Il doit être quelque chose comme 19h. J'ai bossé toute l'après-midi. Je suis juste allée marcher rapidement vers 16h30, je crois. Là, je suis en deep work avec la technique Pomodoro, donc 50 minutes, 10 minutes de pause. Donc là je suis sur mes premières 10 minutes de pause. Voilà, là l'idée c'est de faire les 3 sessions de 50 minutes du coup. Je travaille là pour ma cliente CM. J'espère avoir le time dans mes sessions de monter le podcast que j'ai enregistré hier. Et puis après voilà, une soirée tranquille comme hier. Et voilà, vous voyez pas grand monde dans ce vlog. Mais écoutez, j'ai rien de prévu niveau perso. Là c'est vraiment un vlog productive days. Rien de prévu, je vais pas forcément boire de verre ou quoi. Quoique on est à l'abri de rien demain. On se donne rendez-vous demain. Bonne nouvelle journée. On m'a jamais vu comme ça sur YouTube. On est sur une morning care. À savoir que je déteste partir en vadrouille, partir en vacances, que sais-je, dans un état physique lamentable et laisser mon appart aussi dans un état physique lamentable. Donc là, je suis debout depuis 1h30. J'ai fait tout mon ménage, d'accord. Et là, je m'occupe de moi. On est sur full épilation, full décoloration, masque, désincrustage, décrassage, gommage, tout ce que vous voulez. Au moins, je sais que je pars la tête tranquille avec un appart clean et tout est pimpant. Même si je sais qu'entre temps Anastasia va rentrer à l'appart, donc quand je vais revenir ce sera déjà le bordel alors que ce sera même pas moi qui l'ai mis. Mais bon, ce sera un autre sujet. Et peut-être que ce sera pas le cas, on va pas être mauvaise langue. Mais écoutez, on verra bien. À la base je devais aller à la salle, mais en fait je vous explique, j'aurais jamais pu prendre soin de moi ni de l'appart si j'étais allée à la salle. Parce que là j'enchaîne après avec les ongles. Faut que je trouve un cadeau d'anniversaire pour ma tante. Je rentre, faut que je bosse. Je passe ma valise aussi partiellement. Il y a mon copain qui vient ce soir, donc c'est pour ça aussi que ça me laisse moins de temps. Et j'ai trop de trucs à faire parce qu'en fait ce que j'avais prévu de faire niveau pro hier, j'ai pas réussi à tout faire. Anyway, je suis vraiment en train de parler avec ça sur la tronche. Moi j'aime trop faire mes valises comme ça. J'étale d'abord sur mon lit, comme ça j'ai une vision d'ensemble. Et après je fais ma valise. Comme ça je tasse partout dans ma valise en mode oh je prends ça, je prends ça, je prends ça, etc. C'est l'heure du biril, j'espère pas. C'est l'heure du biril là. Next step. Là je vais utiliser pas mal de produits typo. Gommage à la rose musquée pour le visage. Et j'enchaîne avec le masque au charbon. Le gommage à la rose musquée, c'était le produit qui avait été offert à la dernière offre. En fait c'est un gommage mais hydratant. C'est incroyable. Il n'y a aucun produit qui, avec lequel je peux vous comparer cette sensation. Tout est pimpant. Là j'applique le masque au charbon. J'enlève mon masque sous la douche. Je me lave les cheveux avec ce shampoing là à l'acide hyaluronique de chez L'Oréal, je l'aime trop. J'enchaîne avec un masque cheveux, il est incroyable. Je l'ai presque fini, j'ai envie de chialer, mais grandement. Typologie, masque cheveux. Pour ce qui est du corps, je vais faire un gommage corps de chez Typologie aussi, pareil. Celui-ci, je crois que j'ai dû le faire une ou deux fois. Et après, je pourrais mettre de la crème pour le corps.
corps et la crème pour le corps que je mets, elle est incroyable. J'en ai pas de chez Tipo parce que je l'avais donnée à ma mère, mais du coup j'utilise celle-ci de chez Garnier. Si vous avez pas le budget pour une marque de skincare un peu plus onéreuse, franchement je vous conseille grave Garnier. Moi c'est ce que j'utilise pour ma crème solaire, pour mon contour des yeux. J'aime bien leur sérum aussi. Mon sérum préféré de chez eux, c'est celui à la vitamine C. Donc en fait j'alterne entre Tipo Léger et Garnier généralement, mais leur crème pour le corps, c'est même pas une crème pour le corps, ils appellent ça soin pour le corps, elle est incroyable. Elle est à la mangue, il faut trop que j'aille me faire percer là. Si vous saviez comment j'ai la peau douce et comment je sens bon, rien de meilleur comme sensation. T'as l'impression que ta vie repart à zéro, que t'as fait une grosse mise à jour. Je peux conquérir le monde quoi. J'ai mis ma crème solaire et j'avais déjà mis ma vitamine C ce matin. C'est le premier geste que je fais tous les matins, je vous le filme pas forcément, mais tous les matins c'est vitamine C et complément alimentaire. Je suis contente parce que pour l'instant début 2024 je prends soin de moi à plein de niveaux différents et c'est cool. Oh, ça sent bon. Ça va, il est 10h35. C'est vrai que mes cheveux ils ont bien poussé quand même. Ils sont bien poussés. Hein. Ça fait cache des tons, c'est très pratique. Je chéris grave ce genre de moment et c'est tellement rare que je m'octroie carrément toute une matinée à m'occuper de moi et même genre de mon appart. C'est toujours des choses qui vont venir passer à la trappe. Alors je suis pas une mimi cracra, la traîne sur TikTok. Il y a plein de trucs sur lesquels je suis pas très pointilleuse, mais il y en a d'autres oui, et je prends soin de moi tous les jours. Pire c'est que c'est vraiment genre juste pour moi. Je rajoute même le détail et je trouve que c'est trop important de mettre des sous-vêtements dans lesquels tu te sens bien. Il y en a que je préfère à d'autres, et les journées comme ça où j'ai envie de me sentir bien, toute fraîche et tout, je mets des sous-vêtements même si personne à part moi ne va les voir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit signe d'amour que vous pouvez vous donner. J'ai hâte d'aller me faire les ongles parce qu'ils s'accrochent partout genre. J'ai mis de la crème pour le corps sur absolument la moindre parcelle de peau de mon corps. Je colle de crème mais c'est beaucoup trop agréable et je sens beaucoup trop bon. Ok, on continue la skincare. Des fois ça a du bon de pas aller à la salle. Je sais pas si j'aime ce pull, je l'avais acheté il y a pas si longtemps, mais j'ai les lèvres tellement éclaté, je sais pas ce qui se passe en ce moment. Du coup là je vais mettre le masque de chez La Neige, comme ça le temps que je maquille etc, ça va s'imprégner. Bon normalement je vais le mettre la nuit, mais bon. Crème hydratante Tipo que je viens mélanger avec sérum vitamine C illuminateur. Alors c'est pas très intelligent ce que je fais là vu que j'ai déjà mis ma crème solaire. On est dans le genre de journée où je fais la totale. On a dit que je faisais la totale. Je sais pas si ça se voit à l'écran, mais j'ai à nouveau quelques rougeurs sur les paupières. Ça s'était un peu atténué là, ça revient ces derniers jour. C'est vraiment psychologique hein, tout ce qui est eczéma etc. Je peux pas y faire grand chose, mais pour soulager j'aime bien mettre l'assemblage botanique au CBD de chez Tipo. Alors j'en mets vraiment pas beaucoup parce que mettre de l'huile sur les yeux, si ça rentre dans vos yeux juste, ça fait super mal. Ça atténue grave les sécheresses et les rougeurs. Voilà, je vais attendre que tout ça s'imprègne. Je vais terminer de préparer mes affaires. Je suis dégoûtée, je vais pas pouvoir recevoir à temps mon colis Wild. Bon après j'ai d'autres charges, c'est pas très grave. Mais je devais vous en parler parce que la vidéo est sponsorisée. Du coup ça veut dire que ça décale la date de publication que j'aurais pas reçue aujourd'hui. Ouais, avec un peu de chance ça va arriver aujourd'hui dans ma boîte aux lettres, mais j'y crois pas trop. Mais ce déodorant depuis que je l'ai, je crois que j'avais reçu en août. Et depuis j'ai utilisé qu'une seule recharge, là je suis sur ma deuxième. Ça tient tellement longtemps et c'est de loin le meilleur déodorant que j'ai pu tester en termes d'efficacité. Je suis prête, je vais clôturer ma valise et après avoir en fonction, parce que là je commence à avoir faim, mais en soi il est que 11h donc j'ai le temps de travailler avant, peut-être éditer le podcast ou alors préparer ma miniature pour ce soir. Je suis grave dans une interrogation là en ce moment par rapport à mes minias, parce que je vois bien qu'il y a beaucoup moins de clics quand mes minias sont pas travaillées, enfin quand c'est juste une photo, un extrait de la vidéo, mais en même temps moi c'est quelque chose que j'aime bien. Donc là je sais pas si je continue, si je donne une seconde chance encore, une troisième chance encore à ce genre de miniature jusqu'à ce que ça fonctionne, ou alors je repars sur des miniatures plus graphiques. À voir, mais c'est sûr que ça me prend beaucoup moins de temps aussi, donc c'est cool niveau optimisation. J'ai été mauvaise langue, regardez ce que j'en recevoir. Il est très beau en rose. Ça me sert à rien d'en avoir deux, du coup là vu que je rejoins ma mère je vais lui offrir celui-ci, et vu qu'elle avait grave zioté et elle voulait passer commande depuis des mois, je vais donner celui-ci à ma mère, elle sera trop contente, ça va lui faire un petit cadeau. Et au niveau des senteurs que j'ai reçues, c'est une pure dinguerie. J'ai lila, cherry blossom, donc fleur de cerisier, eucalyptus, pétale de rose, donc là, ah mais celui-ci, oh, dinguerie. Bref voilà, je range tout, je suis contente, comme ça va faire un petit cadeau à ma mère, et vous ça vous fait une petite offre et je fais ma valise.
J'ai plus de vêtements de sport que de vêtements normaux. À chaque fois, c'est la même chose et à chaque fois, je ne fais pas de sport. Je prends même mes élastiques pour vous dire. Je ne peux pas me déplacer sans prendre les micros de podcast. Niveau livre, je vais prendre en poche Eleanor and Grey de Brittany C. Sherry. Et il est temps de sortir de ma palle également le T1 de Captive. Il fait tellement parler de lui sur les réseaux sociaux. Je sais, j'ai un an de retard parce que là, on n'est plus du tout sur Captive, mais plus sur Lakestone. Mais je voulais absolument le lire, ce livre. Je voulais absolument avoir les refs. Je voulais absolument me faire mon avis. Donc voilà, ça fait longtemps que je l'avais commandé sur Vinted. Mais voilà, ça sera une de mes lectures du mois de mars. Celle-ci, c'était censé être une lecture de février, mais bon, j'ai lu que 3 livres en février. En tout cas, je les embarque avec moi, ceux-là. Je prends mes post-it, je prends 3 couleurs différentes et je les mets au début de mon livre. Enfin, j'ai pas à prendre la plaquette entière. Je sais pas, genre j'ai un toc, dès que je bouge quelque part, même si c'est juste un week-end, je change de coque. C'est vraiment très grave. Là, vous allez me prendre pour une grosse matérialiste. Mais bref, du coup, je sais pas laquelle mettre. Je pense que ça dépendra des ongles que je me fais. J'en ai tellement, les gars, c'est trop grave. Que les burgas. Elles sont magnifiques. Les élites. Non, je vais mettre elle. On avance. J'ai pas le temps de faire ça en fait. Il est 16h, je viens de rentrer des ongles et c'est une micro catastrophe. On va dire que c'est un peu loupé. En fait, je vais à une adresse qui est pas mon adresse habituelle de transition en attendant qu'un autre salon ouvre. Mais en fait, j'ai demandé un baby boomer. Là, la forme de mes ongles, elle est bancale de ouf. Elle est bancale de ouf. Ce dégradé est beaucoup trop loin. Ça fait une barre en fait. Bon après, de loin ça va. Le dégradé est pas fluide en fait. Bref. Voilà. Moi je vais me caler là. Je vais bosser toute la fin d'après-midi. La seule chose que je vais devoir faire là, c'est sortir le reste de mes poubelles et puis finir de clôturer ma valise. Mais sinon c'est tout. Et puis après, direction Paris demain. J'ai mon train à 8h. Puis après, direction Bordeaux. Et puis après, j'ai encore un autre train. Demain, ça va être journée transport et donc journée montage, typiquement. Je pense que je vous reprends demain, dans tous les cas, parce que là, je vais arrêter de filmer et je vous reprendrai une fois que je suis arrivée. Est-ce que je vous retrouverai pas une semaine plus tard? Je suis chez ma mère, je viens clôturer le vlog parce que je me suis rendu compte au montage qu'il faisait déjà 30 minutes et là, j'ai rien de fou à vous montrer. Je repars à Lyon dans pas très longtemps. Je vous invite à checker la barre d'infos où je vous ai mis les liens pour les produits Wild avec mon code promo. Oh, juste un truc, les gars, du coup, j'ai pas lu Eleanor and Grey. À chaque fois, j'oublie le titre de ce livre en plus. Mais j'ai commencé Captive et je suis en train de terminer. Et je viens d'acheter le tome 1.5. Ce n'était pas du tout prévu. Je vous ai dit quoi? Oui, j'arrête d'acheter parce que nanana, je vais déménager mon cul. C'est du poulet. J'en ai marre de commencer des sagas et de pas les terminer. Genre là, j'ai 3 sagas en cours où j'ai lu que les tomes 1. Et à chaque fois, du coup, j'oublie ce qui se passe et tout. Et là, je me suis dit non. Captive, je lis les 3 tomes et c'est tout. Je sais que vous adorez les vlogs chez ma maman, mais je vais devoir clôturer la vidéo. Oups, désolée. On se retrouve très bientôt sur YouTube ou tout de suite sur Instagram. Faites quoi, bisous.